Alors bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Outoua. Bon bah j'espère que le petit lien en bas dans la description de la semaine dernière, j'espère que vous avez été donné de la force. Bon là je leur publierai pas exceptionnellement cette fois-ci, mais je leur publierai un petit peu plus tard, comme j'ai dit à la personne concernée. Enfin si tu regardes les conneries, tu sauras de ce que je t'ai dit, de ce que je t'ai dit en début de semaine. Et puis voilà quoi. Après. Pas trop grand chose. Après, bon, bah là, je sais que là, il y a eu l'événement cosplay d'House of Geek et puis Axo Geek. Bon, moi, j'y suis pas allé parce que moi, le cosplay, ça fait deux. Vous savez très bien, vous connaissez la maison, vous savez très bien que ça, le cosplay, c'est pas trop mon délire, enfin, vous savez. Donc voilà, et puis voilà. Bon, bah après, pas grand, il n'y a pas grand chose qui a plus ou moins changé, même par rapport à ce que je vous ai expliqué. Bon, là, j'ai l'air un peu moins triste. Bon, là, je vais garder les lunettes de soleil exceptionnellement parce qu'il fait du soleil, c'est agréable aujourd'hui. Bon, malheureusement, je pourrais pas retourner la caméra inverse, mais je suis au même endroit que la semaine dernière. Et je pourrais pas retourner la caméra, malheureusement, je peux pas. Quand je filme, malheureusement, je ne peux pas. Sinon, je suis obligé de mettre pause et puis faire voir derrière. Mais ça serait pas très intéressant de voir. Bon, je suis encore triste parce que ben c'est pas facile à encaisser, c'est très dur à encaisser, hein, comme vous le savez. Il y a des combats qu'on peut gagner, mais il y a des combats qu'on peut pas gagner. Et celui-là, je suis pas sûr de le gagner, quoi. C'est parce que c'est très dur, c'est très compliqué. Certains de mes abonnés le savent que c'est très compliqué pour moi en ce moment. J'aimerais qu'on me redonne cette main qu'on me donne plus. J'aimerais qu'on me redonne cette main parce qu'elle était vraiment importante pour moi. Elle était vraiment très 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 importante. Parce que voilà, quand même. Parce que quand même, tout le remerciement que j'ai autour de ça à dire, j'en aurais à dire. J'en aurais énormément à dire. Et extrêmement à dire parce que je pense que à l'heure d'aujourd'hui, certaines choses ne se seraient pas produites et certaines choses ne se seraient pas passées. Enfin, toi-même, tu sais, je ne dirai pas ton prénom, mais tu sais très bien de quoi je veux parler, de ce que je veux dire, etc. Et même à l'heure d'aujourd'hui, quand même, grâce à toi, je reparle quand même à mon grand frère, quand même, et à ma belle-sœur aussi, quand même. D'habitude, j'expose pas tellement. Tellement les sujets comme ça, mais tu sais très bien pourquoi je dis ça. Oui, si tu suis les conneries, tu sauras pourquoi je dis ça. Je te dirai ça un peu plus tard, mais tu sauras pourquoi. Parce que voilà aussi, ben, je suis triste pour plein de choses, hein, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas. J'en serais même devenu même antisocial et rebelle, mais enfin. La famille, vous savez, hein, vous savez comment il est tonton, et vous savez que quand il y a quelque chose qui va pas, et ben, hein, vous savez que voilà, j'essaye d'aller au cœur du problème, j'essaye de régler le souci quand même à son maximum, comme je le peux. Avec mon vécu, avec mon savoir-vivre et mon savoir-faire aussi, dans toutes ces choses-là, mais cette chose-là me rend très triste. Parce que voilà, j'avais trouvé mon petit point d'équilibre quand même. Pourquoi la chaîne YouTube s'appelle l'équilibre gaming? Maintenant, vous savez un petit peu pourquoi aussi. Bon, ça avait été fait avant. Avant tout ça. Mais vous savez pourquoi j'ai gardé ce nom. Je ne changerai pas pour autant parce que je trouve que ça me va par rapport à ma personnalité à moi. Et de ma façon d'être aussi. Et de mon estime de moi. Parce que ça va ensemble. Pourquoi sur YouTube c'est écrit l'équilibre gaming? Voilà, c'est en partie à cause de toutes ces choses-là. Je le dis pour les nouveaux arrivants, ceux qui ne le savaient pas, mais voilà, mais l'équilibre, voilà, fait un tout pour moi. Par rapport à ça. Ça fait un tout pour moi et voilà, mais je tenais à le dire quand même. Je tenais à le dire quand même. Même que tu regardes les conneries, je le sais. Je le sais, c'est de toi que je parle, justement. Justement, c'est de toi parce que voilà, tu m'as aussi appris des choses, tu m'as aussi indiqué pas mal de trucs à ce niveau-là et voilà. Et maintenant, je le mets en pratique. Je sais que le tonton est très lent, je le sais par moments. Je laisse traîner des choses, je reconnais hein, quand même, hein, je reconnais mes erreurs quand même. Hein, il faut pas dire, et je vais pas dire le contraire que ça serait que de me dire non, je reconnais pas les erreurs, mais si.
Je la reconnais quand même, mais toi aussi, il faudrait que tu te dises aussi dans ta petite tête quand même. Parce que voilà, dans ta petite tête et te dire, oui, c'est vrai. Bah voilà, tonton, il a peut-être pas forcément tort. Il a aussi raison par rapport à ce que je peux te dire parfois et à ce que je peux t'expliquer aussi. Mais je sais que ta personnalité est très forte envers moi, et ça, je le sais. Parce que voilà, je le ressens aussi, hein, mais après, il y a des choses qui sont normales, il y a des choses qui sont pas normales. Il en a à prendre, il en a à laisser, je peux comprendre, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je comprends très bien que voilà, que parfois c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour toi. Je sais que t'aimes pas me voir ronchonner comme tu le dis. C'est tes mots, hein. Je reprends absolument tes mots qu'est-ce que tu dis et tout ça. Et la vidéo, je te la fais pour toi. Parce que bah je sais très bien que tu suis les conneries et que tu les regardes. Là, c'est pas un vlog anodin, c'est pas un vlog anodin quoi. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur à dire et aussi à expliquer cette histoire parce que cette histoire est très difficile pour moi parce que comme tu peux savoir que ben c'est pas facile quoi. Et au quotidien et même tous les jours et même si je fais ce que je fais, tu sais très bien pourquoi. J'ai pas à me justifier, j'ai pas à le dire ici, mais toi-même, tu sais que voilà, que ben, je suis comme ça et tu sais très bien. Et je ne changerai pas ma façon d'être parce que ma façon d'être ne sert à rien de la changer parce que je suis quand même quelqu'un de très gentil et tu le dis et tu l'avoues et voilà. Et ça fait plaisir à entendre, surtout toi, surtout par rapport à toi, ça me fait très plaisir et c'est touchant de l'entendre, surtout de toi, quand même. Parce que voilà. C'est vrai que je n'accepte rarement les compliments, mais quand les choses viennent de toi, oui, je les accepte à fond parce que je sais très bien que c'est pour me faire avancer aussi et voilà et je t'ai écouté aussi, j'ai fait ce que j'avais à faire aussi, j'ai même été hier et je te fais pas de descriptif par rapport à ça, mais je sais très bien que voilà que tu le sais de ce que j'ai été faire hier soir, tu le sais et voilà et ça m'a fait du bien d'y aller. Parce que tu me l'avais toujours dit que si à un moment j'avais besoin, ben je pouvais y aller. Et j'y suis allé et je t'ai écouté. J'ai expliqué et voilà, j'ai dit les choses. Je sais très bien que même toi, il y a des choses que t'es pas fier de moi et je le sais très bien et je le reconnais. Hein. À plus de 99%, je reconnais que voilà, que ben il y a des choses qui sont pas évidentes pour moi et même pour toi aussi. Mais voilà, mais je demanderai pas grand-chose et je demanderai pas la lune parce que je sais très bien que la lune on peut pas la décrocher, et ça je sais. Mais si je pourrais décrocher la lune, je te la donnerai. Et ça tu le sais très bien. Mais malheureusement, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Mais bon, j'essaye toujours de faire au mieux, j'essaye toujours de faire mon maximum, j'essaye quand même d'être là quand même et d'essayer quand même d'arranger les choses, même pour toi et ainsi pour moi. Parce que voilà, je te donne pas que des mauvais conseils aussi. Tu en donnes de très bons aussi, hein, parfois quand même. On va pas renier ces choses-là, mais tu sais très bien que je te donne quand même d'énormes conseils. Parce que voilà, c'est déjà pas facile pour moi. Mais juste le fait de t'entendre et de te voir, déjà, je demanderai pas grand-chose. Mais tu sais très bien. Et ça, tu le sais. Tu sais très bien que je ne veux pas grand-chose. Et le pas grand-chose avec toi me suffit amplement. Parce que j'ai pas besoin de plus. Le plus, j'en veux pas. Et tu le sais très bien. Tu sais très bien que le plus, je n'en voudrais jamais. Parce que le plus, je vais le dire, le plus, c'est qu'une option. Et point, c'est tout. Y a rien de plus crédible de demander plus. Et sauf que moi, je veux pas. Pour moi, non. Le plus, je l'ai déjà. Parce que voilà, quand même. Mais bon, c'est toujours, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. Mais j'essaye de m'accrocher quand même. Mais si on pourrait même avoir un petit dialogue, ça serait très bien. Ça m'arrangerait très fortement parce que voilà, c'est une chose que je voudrais. Et tu le sais. Bon, essayer quand même d'arranger un tout petit peu les choses.
c'est quand même de les arranger. Et essayer de rattraper ce qu'on a laissé. Essayer de le rattraper, essayer de le reprendre. Essayer quand même de. Bah, de reprendre tout ça, quoi. Et d'essayer de remettre tout ça d'aplomb et de se dire, ouais, bah voilà. On a fait une erreur ici, on a merdé ici. Et on rattrape ce qu'on a perdu, quoi. Le laps de temps qu'on a perdu. Et ça, j'aimerais bien parce que. Bah, d'une part, pour moi, c'était bien. Parce que j'ai pas voulu te détruire. En soi, je l'ai pas voulu comme il y en a, ils ont su aller dire. Ça, c'est faux. Ça, pour ma part, c'est pas vrai. Parce que j'ai jamais voulu te détruire et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est totalement faux et tu sais très bien que même de ce qu'il y a de plus cher à mes yeux, tu le sais très bien que je ferais pas ça. Parce que déjà, d'une part, pour moi, j'ai pas envie. Et je ne voudrais pas. De toute façon, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, je ne voudrais pas. Parce que voilà, ça serait pas, ça ne se ferait pas pour moi et ça ne se ferait pas aussi pour de vis-à-vis de toi. Et tu sais très bien que j'ai énormément de respect pour toi. Et j'en aurai toujours. Et voilà, et que même que tu me dis même des choses dures par moment, hein, je le cache pas, hein, mais voilà, mais je les prends quand même. Avec force et honneur quand même. Mais c'est très difficile. C'est très 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 difficile. Quand même pour moi. Parce qu'il y a quand même des choses que j'ai quand même réalisées. Et quand même au départ, je me croyais que ça n'aurait pas été possible. Et puis au final, si, ça l'a été. Avec de la force, avec de la persévérance et de l'espoir. Et toi, que tu étais là, que tu as pu m'aider. Mais je voudrais encore m'accrocher à ça. L'épaule sur laquelle on me reposait, c'était la chaîne. Et ça, il sera toujours. Parce que j'ai pas trouvé mieux en fait. J'ai pas trouvé mieux que ça. J'ai pas trouvé mieux. En réalité, c'est ça. Le truc, c'est ça. J'ai pas trouvé mieux. Même pourtant, j'ai essayé. Mais non. Le mieux, c'est toi en fait. Le mieux, c'est toi. Il y a pas d'autre chose à dire. Il y a pas d'autre chose à voir. Mais le toi, c'est le mieux. Et je te le dis. Et ça, pour tout l'or du monde, je le revoudrais encore. Et encore. Parce que voilà, moi je me dis que la vie m'a donné une seconde chance. Et tu le sais très bien pourquoi. On en parlera pas ici. J'en parlerai pas ici, pardon. Mais tu sais très bien que la vie m'a donné quand même une seconde chance quand même. Par rapport à une chose primordiale pour moi. Que tu sais. Que tu m'as tendu la main. Tu m'as donné des coups de pied dans le cul. Que tu m'as donné la force de le faire. Et que tu m'as donné la force de le réaliser. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je l'ai réalisé. Et ça va faire presque un an, mine de rien. Presque un an. Presque un an que ça s'est passé. Et que. Dieu est là et que Dieu est là et que tout va bien pour le moment. Qu'il n'y a pas trop de problèmes. À ce niveau-là, il n'y a pas trop 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 de problèmes. Mais, j'insiste bien sur le mais, bah voilà. Mais pour l'instant, ça se passe bien. On va pas dire que ça se passe mal, c'est pas vrai. Ça s'est très bien déroulé, ça s'est très très bien passé. Et puis voilà, et puis j'aime mieux te regarder de cette façon-là que de la façon que laquelle je te regardais avant. Ça c'est sûr. Parce qu'au moins déjà, ben, on pourra pas dire que déjà d'une part que je mens déjà. Même au niveau des gens en général. Les amis, la famille, vous savez. Parce qu'avant, ben, on pouvait croire que je mentais, etc. Et que c'était pas le cas. Et que là, lors d'aujourd'hui, ben, là, je ne peux plus. Je ne peux plus faire ça. Parce que maintenant, ben, j'étais. Moi, pour moi, on m'a redonné la chance de me sentir mieux un peu dans ma peau quand même. Parce que c'est vrai que cette chose-là, ce pas n'a pas été facile. Ce pas a été très compliqué pour moi à réaliser. Je sais, je parle jamais de tout ça, je parle jamais de ma santé en général, je parle jamais de ces choses-là ici. Mais sans trop citer de détails, mais quand même. Mais quand même. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, la main que j'ai donnée.
Je donnais ma main à cette personne et je voudrais encore te la donner. Parce que voilà, on peut pas, ça peut pas s'arrêter comme ça. Encore, il y aurait eu une grosse connerie, il y aurait eu des ci, il y aurait eu des ça, je comprends. Mais là, c'est uniquement que les gens qui ont fait ça. Et qui n'ont pas voulu. Et qui sont jaloux, tout simplement. Il y a une part de jalousie là-dedans. Et je le sais très bien. Vous allez me dire, non, tonton, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il n'y a pas de jaloux. Mais si qu'il y a des jaloux. Il y en a plein. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de jaloux. Et ça, moi, je le sais. Et ça fait longtemps que je le sais. Surtout que notre lien qu'on avait, bah, ça rend des jaloux plus d'un. Je sais, on va peut-être parler de ma carrière miteuse, d'un crocodile miteux, pardon. On va peut-être en parler. Mais voilà, mais je suis là aussi pour te protéger si t'as quelque chose qui va pas. Et ça, tu le sais très bien. Et tu le sais, s'il y a quelque chose qui va pas pour toi, à un moment ou à un autre, tu sais très bien que je serai toujours là. La preuve. Je ne dirai pas ces choses-là ici. Mais j'aurais pu le dire de ce que j'ai fait. Mais je le dirai pas parce que ça va rester entre nous. Il n'y a que nous deux qui le savons de ce qui s'est passé. Mais j'y repense quand même parfois. J'y repense quand même parce que... Mais c'est tout. Mais voilà, mais enfin, tu sais. Bon, bah, moi, les amis, moi, je vais vous laisser là-dessus. La vidéo va s'arrêter là. Surtout, merci de m'avoir regardé. Je sais que voilà, que d'habitude, je ne dis pas ce genre de choses. Mais j'espère que là, toi aussi, ça te fera réfléchir. Et que tu repenseras un petit peu à ce que j'ai dit là. Et que tu réfléchiras un petit peu par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai que je sais que tu regardes toutes les vidéos, je le sais. Je le sais, tu regardes tout, systématiquement, tu les regardes et ça, je le sais. Et ça, je le sais parce que tu l'as avoué que tu le faisais et que tu le regardais. Et ça, je le sais. Et voilà. Et puis, si tu veux me voir, tu sais très bien. Tu le dis et je serai là. N'importe quand et n'importe quel jour de la nuit, tu sais très bien. Et ça, pour rien au monde, je ne refuserai pas. Je ne refuserai jamais. Je suis disponible tout le temps. Je suis disponible tout le temps et tu le sais. Donc voilà, donc ça a été un vlog un petit peu plus différent des autres. Là, j'ai un petit peu plus parlé de moi-même personnellement. Et puis voilà, bon, j'ai passé les petits coucous que je devais passer. Et puis voilà. Donc, surtout, prends soin de toi, surtout. Très important et fais attention à toi, surtout c'est très important et tu sais très bien que ça pour moi, pour toi ça l'est, ça a une importance capitale pour moi et donc voilà et puis surtout les amis, la famille, surtout aussi prenez tout soin de vous aussi parce que c'est important et puis rendez-vous au prochain numéro dans la joie et la bonne humeur et surtout peace à vous, salut ça.